Bienvenue à la deuxième phase des éliminatoires. Six nouveaux candidats s'affrontent encore une fois en binôme et nous n'en gardons que quatre. Notre tirage au sort a été confié toujours à une main experte. Découvrons à présent les binômes. Sila Mariam de Gatri, goût, saveur, qualité, c'est moi! Bitu Bané de Délice de Nanda, on me dit que mes pâtisseries sont originales, on va voir ça. Salut, Cheikh Tidiane Koulibaly de Délice de Tidi, que le meilleur gagne. Hello, Sarah Dali de Odalis, on se retrouve en finale? Salut, je suis Eunice Chimo de Eunice Pâtisse et si je suis là, c'est parce que ma créativité peut faire la différence. Coucou, c'est Stella. J'adore pâtisser, mais pâtissons. Nos six candidats utiliseront pour la recette du jour les produits de la gamme Le Gourmet. Ce sont la poudre de cacao, idéale pour toutes vos pâtisseries aux saveurs chocolat. Et ce n'est pas tout. Les gouttes de chocolat, résistantes à la chaleur, stables à la cuisson et sont idéales pour toutes vos viennoiseries et pâtisseries. Nous recevons à présent la seule dame de nos jurys, la sublimissime Samira, du blog à nos papilles qui va nous rejoindre sur le plateau. Bonsoir Samira. Bonsoir. D'accord, donc c'est toi qui vas me donner la consigne du jour. Oui, exactement. Alors. Ok, alors pour cette manche, nous allons vous demander de nous réaliser, de nous réinventer des cupcakes au chocolat. Devant moi se trouve un panier dans lequel vous pourrez piocher des ingrédients afin de personnaliser vos cupcakes. Vous serez noté sur la présentation, la technicité et naturellement le goût. Vous disposez d'une heure pour nous présenter vos cupcakes à vos marques prêts pâtissées. Alors, nous sommes à la fin du temps qui vous a été imparti. Je vous demanderai donc de faire un pas en arrière et de ne plus toucher à quelque chose. Merci. Ça semble appétissant tout ça. D'accord, donc est-ce que vous pouvez nous présenter vos cupcakes, les éléments que vous avez utilisés pour vous distinguer des autres? D'accord, alors pour notre part, on a voulu rester sur du pur chocolat.
D'accord, donc on a fait une base chocolat, un peu de vanille, l'autre à la noisette. Il y a un avec, c'est celui à la noisette avec des pépites de chocolat. Et celui aromatisé vanille avec un corps fondant à la crème pâtissière chocolat. D'accord. Bon appétit. Merci. 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 Donc, je vais vous demander de présenter vos cupcakes et de nous dire quels ingrédients vous avez utilisés pour vous différencier des autres candidats. Ok. Notre cupcake, on l'a surnommé, on l'a appelé la dot. Donc, pour rappeler un peu le système de la dot, les dragées, tout ça, parce que les dots, maintenant, en Côte d'Ivoire, on met les dragées. Donc, on a essayé de faire un rappel avec les pères. Et comme c'est assez effectif, donc on a rajouté quelques... Je peux me rapprocher. On a rajouté quelques petites perles pour, voilà, pour rappeler un peu tout, un peu le côté festif. Et comme ingrédient, bon, on a utilisé le chocolat, c'est moi, principal ingrédient, parce que c'est un cupcake chocolat. Et on a utilisé également la poudre de chocolat. Ce qui peut différencier généralement dans les cupcakes qu'on ne voit pas souvent, c'est la crème fraîche. Parce qu'on a utilisé la crème fraîche pour le côté un peu plus moelleux du gâteau. Voilà. Bon appétit, bonne dégustation. Merci. J'aime bien. Oh, merci. Wow. Merci. Wow. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons vous demander de présenter vos cupcakes, de nous dire quels ingrédients vous avez utilisés pour vous différencier des autres candidats. D'accord. Alors, on a imaginé qu'on réalisait ce cupcake pour un mariage, une dot, un mariage traditionnel, et qu'il s'agissait de deux personnes de cultures différentes, du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest de la Côte d'Ivoire. On a vraiment essayé de représenter tout ça à travers les couleurs qu'on a choisies. On a aussi représenté le nord avec le curry en chocolat. Bon appétit. Merci. Franchement, c'est très, 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 très. Merci. Je suis hésitant. D'accord. J'explique pourquoi. D'accord. J'ai déjà utilisé le mot wow tout à l'heure, donc je suis hésitant en fait. Si je ne vais pas le réutiliser, je vais pas hyper wow. Et en tout cas, félicitations. Merci. Déjà, je tenais à vous féliciter pour votre participation. Sachez qu'il n'y a pas de perdant à ce concours. Retenez juste le meilleur de cette expérience culinaire. Alors, le gagnant de cette deuxième phase éliminatoire est le binôme 3 composé de Stella.
Les deuxièmes qualifiés sont Sarah et sociaux, vos avis comptent, et d'ici là, portez-vous bien et au prochain numéro.